Avec les enfants de l'école biblique, nous poursuivons notre traversée de l'Évangile selon Luc. Et je vous propose ce matin d'entendre ce petit récit que l'on trouve au chapitre 14 du livre, enfin de l'Évangile attribué à Luc. Jésus était entré un jour de sabbat dans la maison de l'un des chefs pharisiens pour prendre un repas. Et ceux-ci l'observaient. Et voici qu'un homme hydropique était devant lui. Jésus prit la parole et dit aux docteurs de la loi et aux pharisiens, « Est-il permis ou non d'opérer une guérison pendant le sabbat ?» Ils gardèrent le silence. Alors, il prit le malade, le guérit et le renvoya. Puis il leur dit, « Lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retirera pas aussitôt le jour du sabbat ?» Et ils ne furent pas capables de répondre à cela. Je vous propose de prendre notre recueil de chants, louanges et prières. Au cantique 287, nous y chanterons les strophes 1, 3 et 4 pour nous préparer à la méditation. Cantique 287, strophes 1, 3 et 4.
Éternel, notre Dieu, toi qui, par ton esprit, inspires celles et ceux qui parlent et rends attentifs celles et ceux qui écoutent, accorde-nous ton esprit, afin que l'Évangile soit la vérité de notre foi, la source de notre amour, la fermeté de notre espérance. Chers frères et sœurs, chers catéchumènes, convenez que la Bible est vraiment un ouvrage formidable, qui nous permet des découvertes extraordinaires. Imaginiez-vous, en arrivant ici, que vous entendriez parler d'un homme hydropique. Même en regardant Dr House, vous n'avez pas d'aussi belles découvertes. L'hydropisie n'est pas une pathologie très connue. Et c'est ce qui peut nous faire dire que le rédacteur de cet évangile était probablement médecin, avec cet épisode et bien d'autres où ce rédacteur utilise un vocabulaire médical. Dans ce passage, le rédacteur de cet évangile s'autorise une réflexion sur la dimension médicale du Christ et peut-être... Ce passage biblique peut-il nous aider à réfléchir sur l'acte médical d'un point de vue théologique ? Et comprenez bien qu'avec les membres qui forment cette assemblée, je le ferai avec beaucoup d'humilité. Mais essayons. Essayons de voir à travers ce texte biblique ce que nous pouvons entendre sur cette dimension-là. Et je dirais que la première salve d'enseignement dans ce passage biblique se trouve justement dans le vocabulaire employé. Un vocabulaire qui n'est peut-être pas forcément bien restitué dans les traductions françaises auxquelles nous sommes habitués. Et ce matin, je me suis contenté de lire cette traduction de Louis II dans l'édition de la Société biblique française de 1978, celle à laquelle nous sommes habitués, mais sur laquelle il va falloir revenir pour retrouver ce que le texte grec nous permet d'entendre. Et la première distinction qu'il convient d'opérer, c'est la distinction entre soigner et guérir. Il y a ici, dans ce texte, deux verbes différents qui ont été traduits tous les deux de la même manière, guérir. En fait, Jésus se demande avec les pharisiens et les docteurs de la loi s'il est permis de soigner, thérapeo, pendant le sabbat. Puis le rédacteur atteste que Jésus a guéri
Yaomai, la personne hydropique qui se tient face à lui. S'il y a une distinction entre ces deux termes, on peut à tout le moins imaginer qu'elle ne soit pas tout à fait fortuite. Et peut-être est-ce une distinction utile pour éviter d'attendre d'un médecin ce qu'il n'est pas en mesure de nous offrir. Car s'il est toujours possible de soigner, de prendre soin d'une manière ou d'une autre, la guérison, elle, n'est jamais assurée. Et en demandant s'il est possible de soigner pendant le sabbat, qui interdit de nombreuses activités, eh bien Jésus se place bien sur le plan des actes que l'on accomplit pour aider une personne malade. Soigner, c'est mettre en place des gestes, des paroles, des attitudes, et donc c'est une sorte de travail qui peut être interdit un jour de sabbat où le travail est proscrit. La guérison est une autre histoire qui semble ne pas appartenir aux soignants. Mais qu'est-ce que soigner ? Qu'est-ce qu'une démarche thérapeutique ? Alors, vous vous doutez bien qu'avec ce petit passage biblique, nous n'avons pas un traité exhaustif de médecine. Mais il me semble qu'il y a, à travers les verbes utilisés, trois points qui peuvent nous aider à penser l'acte médical. Je dirais que contrairement aux idées reçues, nous ne pouvons pas vraiment dire que Jésus touche l'homme malade. Vous avez entendu ce que le traducteur disait, Jésus prit le malade. Le terme grec, le verbe grec se construit de la racine lambano, qui signifie prendre, mais avec un préfixe épi, qui signifie sur. Et en fait, nous pourrions très bien traduire ce texte par surprendre. Jésus surprend le malade. Cet élément qui passe souvent inaperçu nous met peut-être sur la piste que l'action thérapeutique recèle une part de surprise, d'inattendu. Le soignant n'est pas celui qui exécute froidement l'action qu'on attend de lui. Le soignant s'implique. Il laisse s'exprimer son génie propre. On pourrait dire qu'il y a une sorte de dépaysement avec le soignant qui accomplit sa vocation. De nos jours, nous pourrions dire que le soignant déplace la demande. Il ne se contente pas de répondre à la demande qui lui est faite. « J'ai mal à la tête, voici du paracétamol. » Ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas le faire. Mais peut-être cela n'est-il pas suffisant. Le soignant ne prend pas ce qui lui est dit ou présenté pour argent comptant. Il prend, mais épi, au-dessus, il prend de la hauteur. Il va au-delà de la surface des mots, au-delà des symptômes. Et ce faisant, il surprend le malade. C'est peut-être déjà une façon de ne pas laisser le malade dans son état. Le deuxième verbe utilisé dans ce passage biblique, c'est guérir, yaomai. Il est difficile de dire ici en quoi consiste la guérison de l'homme hydropique. L'idée la plus répandue de ce qu'est une guérison consiste à dire que la guérison est un retour à l'état initial, un retour à la situation avant la maladie. Mais le retour en arrière n'existe pas, même avec le Christ. Ici, il faut bien reconnaître que la mention de la guérison s'accompagne de trop peu de détails pour que nous puissions dire exactement en quoi consiste la guérison. Et c'est la raison pour laquelle je vous propose de porter tout de suite notre regard sur le troisième verbe, qui apporte un éclairage. Il apporte un éclairage déjà par le fait qu'il est là. Je veux dire par là que la guérison n'est pas le dernier terme de l'histoire. La guérison n'est pas le dernier terme de la démarche thérapeutique. Le dernier verbe, c'est « apolluo », que nous pouvons traduire par « délier au loin ». « Luo », c'est « délier », « apo », c'est « auprès d'eux », « au loin ».« Délier au loin ». Autrement dit, « libérer pour de bon ». La démarche thérapeutique a pour objectif de libérer. Le soignant délivre le patient.
Il ne se contente pas de délivrer une ordonnance, il délivre le patient. Il le délivre de son mal, mais peut-être aussi le soignant délivre-t-il le patient du soignant. Le malade n'est pas la chose du soignant, il n'est pas sa propriété. Et le terme de la démarche thérapeutique est ici une libération. Le patient n'a pas de dette envers le soignant, de même que le soignant n'a aucun droit sur le patient. Le patient est délivré de toute emprise que le soignant pourrait avoir sur lui, qu'elle soit réelle ou imaginaire, et le patient est désormais libre, libre d'aller. Et la démarche thérapeutique, ici, semble consister à libérer. Alors, rétrospectivement, cela peut peut-être nous renseigner sur ce que signifie guérir, dont j'ai dit un peu rapidement que ce n'était pas un retour à l'état initial. Entre la surprise et finalement la déprise, eh bien, l'acte de guérison apparaît comme le passage d'une situation subie à la liberté. La guérison peut être comprise comme une délivrance du mal qui nous tient, qui nous possède, qui nous maintient dans un état, celui de malade. Peut-être pouvons-nous dire que la guérison est délivrance de ce mal, sans qu'il soit précisé, notez-le bien, si la délivrance se fait par la mort du mal ou pas. Ici, le travail thérapeutique indique que le mal n'a plus d'emprise, que le malade est libéré, mais il n'est pas dit si le syndrome demeure ou non. La guérison n'est pas un retour à l'état initial, à un état antérieur, c'est le passage à un nouvel état qui nous permet d'accéder à la liberté. Alors, l'homme hydropique, après vous avoir frustré pendant tout ce temps sur l'hydropisie, il va bien falloir que nous nous collions à cette petite maladie. Avez-vous une idée de ce que peut être l'hydropisie ? Peut-être que le terme hydro peut vous mettre un peu sur une piste. Hydro. L'eau. Le liquide, donc. Oui. Alors, la peur de l'eau, ce serait l'hydrophobie. Là, c'est en fait une sorte de rétention d'eau. C'est le fait d'avoir des épanchements de liquide dans des cavités naturelles. Par exemple, l'abdomen, mais toute cavité, finalement, peut se remplir, se gorger d'eau, de liquide. On pourrait dire que c'est une personne qui souffre d'œdème. Elle accumule des liquides à la manière d'une éponge, voyez-vous. Et cela revient à être finalement comme gorgé d'eau, comme le serait un être vivant tombé dans un puits, qui mourrait d'absorber trop de liquide. Pour plus de détails, il y a suffisamment de médecins ici pour que je n'en dise pas plus. Autrement dit, l'homme qui se tient devant Jésus est semblable à un fils ou à un bœuf qui serait tombé dans un puits, qui risquerait de se noyer. Laisse-t-on se noyer quelqu'un sans lui porter secours ? Seuls les barbares seraient capables de cela. Toute personne, à tant soit peu humaine, s'efforce de faire quelque chose pour sauver celui qui est en train de se noyer. Qu'a fait Jésus exactement ? Nous n'en savons rien. Nous ne savons rien d'autre que ces trois verbes, surprendre, guérir, délier au loin. Peut-être est-ce une manière de dire qu'il n'y a pas un protocole déterminé à l'avance, mais que chaque situation nécessite de s'impliquer, de faire preuve de génie, disais-je, d'innover peut-être, mais d'adapter une réponse adaptée à la situation. Métaphoriquement, on peut dire que Jésus a sorti l'homme du puits dans lequel il était tombé. Sur le plan du processus, il lui a permis de ne plus être sous l'emprise du mal qui le noyait jusque-là. Le mal a-t-il disparu ? À vrai dire, le texte ne le dit pas. Il est possible que Jésus n'ait pas supprimé ce dont il souffrait, sur le plan physiologique,
mais il est possible qu'il l'ait libéré de ce mal, au sens où ce mal est peut-être encore présent, mais il n'a plus d'emprise sur lui. Peut-être que Jésus a fait découvrir à cet homme qu'il était possible de vivre avec son mal, qu'il était possible de le dominer, de le surpasser, en tout cas de ne plus en être l'esclave, de ne plus être réduit à une pathologie. D'ailleurs, le texte lui-même le dit bien, c'est un homme hydropique, il n'a pas dit c'est l'hydropique. Comme il est possible d'apprendre à vivre avec un handicap, la guérison peut consister en fait dans l'apprentissage qu'une vie nouvelle est possible avec une maladie qui nous a rongés ou qui est encore présente. Il ne s'agit pas d'un retour en arrière, car le retour en arrière n'est pas possible, en particulier sur le plan théologique. Il s'agit d'une nouvelle histoire, une nouvelle naissance selon ce que Jésus expliquera dans l'Évangile selon Jean à Nicodème. Alors tout ceci serait sans problème s'il n'y avait pas le contexte étroit qu'est le sabbat, ce jour mis à part selon la Torah qui indique que tout travail est proscrit. La loi interdit le travail. Pas de travail le jour du Shabbat. Dimanche c'est possible, mais pas le Shabbat. La question est donc, y a-t-il quelque chose de supérieur à la loi qui nous permette de soigner lorsque la loi rend le soin impossible? Autrement dit, y a-t-il une bonne raison pour ne pas respecter la loi? C'est la question à laquelle Antigone est elle-même affrontée et qui répond en disant qu'au-dessus de la loi des hommes, qui interdit d'enterrer son frère, il y a la loi de Dieu qui lui demande de prendre soin de lui et de l'enterrer. Dilemme. Et pour transcrire cela aujourd'hui, nous pourrions tout aussi bien nous demander s'il y a une loi possible au-dessus des lois de la République. En l'espèce, les spécialistes de la loi et les pharisiens ne trouvent rien à redire à Jésus qui affirme que l'amour du prochain l'emporte sur la législation, surtout lorsqu'on les met en situation d'avoir son fils ou sa bête de somme en péril. Quand on est directement concerné, on réfléchit manifestement différemment que quand on réfléchit sans être soi-même impliqué. Ici, les professionnels du droit ne trouvent rien à redire à Jésus qui pose que la loi ne règle pas tout, qu'elle ne nous dit pas tout ce qu'il faut faire ou ne pas faire, parce que la loi ne permet pas d'envisager toutes les situations. À nous donc de faire preuve d'initiative pour exercer notre sens des responsabilités et trouver les moyens de venir en aide aux personnes qui se tiennent là, face à nous. Avec la métaphore du puits en plein sabbat, que fait Jésus ? Jésus révèle qu'être humain, c'est aller chercher les personnes là où elles souffrent. Aller traquer la douleur et la souffrance là où elles se logent. Et les traquer aussi profondément qu'elles soient. C'est un impératif qui ici l'emporte sur toute autre considération, même légale. Et s'il nous est possible de soulager la douleur d'une personne, même avec des moyens surprenants finalement, la fameuse surprise de la première partie de la démarche thérapeutique, et qu'il est possible ultimement de libérer cette personne de l'emprise du mal, eh bien c'est un bienfait qu'il conviendrait de ne pas refuser. Et s'il nous est possible de soulager la souffrance, c'est-à-dire non pas la douleur au sens du mal physique, mais la douleur au sens du mal moral, le sentiment d'abandon, de solitude, de nullité par exemple, l'horreur que l'on peut vivre intérieurement, eh bien s'il nous est possible de soulager la souffrance d'une personne en la sortant de l'isolement dans lequel elle est tombée, même si ce n'est pas écrit dans un protocole, eh bien c'est un bienfait à ne pas refuser. Le problème avec la loi, ce n'est pas la loi, c'est l'usage aveugle qu'on peut en faire. Parce que, évidemment, se soumettre à la loi, au lieu de se mettre par-delà la loi,
c'est-à-dire non seulement d'intégrer la loi, mais de faire mieux que ce que la loi propose, c'est parfois s'empêcher de réduire la souffrance d'une personne. Prenons un exemple pour que ce soit plus compréhensible et que je cesse d'être trop théorique. Prenons une salle de réanimation. Le premier objectif dans une salle de réanimation, c'est d'éviter les infections et donc on veille à une hygiène aussi parfaite que possible. C'est la raison pour laquelle les familles y sont assez peu autorisées. C'est pour éviter qu'elles viennent avec des microbes, des bactéries qui pourraient finalement accélérer le mauvais état du patient. Mais n'y a-t-il pas des occasions en fin de vie, lorsque les fonctions vitales sont particulièrement déclinantes, de relativiser le risque d'infection au regard du bienfait qu'apportera la présence chaleureuse d'un ami, de l'être aimé, d'un membre de la famille. Fut un temps où il y avait ce qu'on appelle de nos jours l'acharnement thérapeutique qui consistait à infliger des médicaments pour tout soigner dans les phases terminales de vie, soigner une bronchite quand on est en phase terminale d'un cancer, et cette pratique est en net recul. D'autres situations pourraient peut-être être l'objet d'une nouvelle réflexion sur les bienfaits pour le patient de transgresser la loi, de transgresser les protocoles, pour que les démarches thérapeutiques soient un soin qui délivre du mal, au lieu d'être parfois la mainmise d'un soignant sur son patient. Donc il y a peut-être des moments où la loi, le règlement, le protocole, empêche d'apporter tous les soins que l'on pourrait prodiguer à quelqu'un. Et dans ce cas, peut-être que notre responsabilité personnelle est de pouvoir faire mieux que ce que la loi propose à un moment donné. En tous les cas, ce texte biblique met en évidence le souhait de certains de mettre une sorte de limite à l'action libératrice du Christ, ce qui peut être évidemment encore le cas aujourd'hui. Et ce que nous constatons avec ce texte, c'est qu'en déployant une démarche de soins auprès de l'homme hydropique, malgré le sabbat, Jésus met en évidence la dimension infinie de l'amour, on pourrait dire de la charité, de la miséricorde. Jésus met en évidence cette dimension infinie de l'amour qui ne connaît aucune limite, certainement pas les limites que les hommes mettent en place, parfois au nom de Dieu, mais qui sont des limites que Dieu ne reconnaît pas. Le propre de la foi chrétienne, c'est peut-être justement, comme le fait Jésus, de se replacer devant l'humain plutôt que devant la loi. Ce qui fait face à Jésus, le texte le dit explicitement, c'est l'homme hydropique. Ce n'est pas le décalogue. Jésus a bien sûr intégré le décalogue, mais il se tient non pas face à la loi, mais face à l'humain. Car c'est de l'humain que nous devons prendre soin et pas de la loi. Peut-être ce texte biblique nous rappelle-t-il utilement que notre vocation chrétienne n'est pas de chérir la loi, mais de chérir l'humain, sans limite et sans condition. Amen.